Good morgen, allez, Iden et Sus, aujourd'hui, les Lonish Majanin, Rud, Bet Fortune, Mazal Fritna, Lea Chaya, Bet Mazal Tov, Lucien, Bet Reina et Claude Shlomo, Ben Shalom. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel, nous étudions Masechet Gitin, Perek Aleph, Mishnah Vav. Ha Omer, Ten Getze, Le Ishti, Ushtar, Shichrur, Ze, Le Avdi, Yemazal Arzor, Bishneem, Yachazor, Divri, Rabbi Meir, Vachachamim, Omrim, Begite Nashim, Avallo, Beshichrurei, Avadim, Je présente d'abord le cas, après on explique la raison. A Omer Tengedze le Ishti. Il y avait un homme qui ordonne à son ami, il lui dit, écoute, j'écris un guet à ma femme, lui il est en ce moment en Australie. Il y a son ami australien, son ami qui s'apprête à voyager en Israël où sa femme se trouve. Il lui dit, tiens, donne ce guet à ma femme. Il lui donne le guet en main. Ou encore, ou shtar shichrur ze le avdi. Ou donne ce shtar de libération à mon esclave. La Mishnah me dit, écoute-moi, une fois qu'il lui a donné, imrasal achzor bishnehem yachzor. Si une fois qu'il lui a donné, l'ami n'est pas encore parti, et qu'après il le rappelle, il lui dit, bon, tu sais quoi, finalement je regrette, ne leur donne rien. Eh bien, yachzor, il a le droit de revenir dans les deux situations. Divri Rabbi Meir, tel est l'avis de Rabbi Meir. Vachachamim omri, Rabbi Chachamim me disent non. Begite Nashim, je suis d'accord avec toi, Rabbi Meir, sur les guettes des femmes, que s'il veut se retracter, il pourra se retracter. Avalo Beshichur Avadim. Mais il ne peut pas se retracter sur la libération de l'esclave, c'est trop tard, il a déjà donné le guet, il ne peut plus le récupérer. Pourquoi? Les fiches Zachin la Adam Shelo Befanav. Ven Chavinlo et la Befanav, et là c'est la phrase clé, que les fiches Zachin la Adam Shelo Befanav, on peut accomplir une action qui est un crédit, on peut prendre un crédit pour quelqu'un lorsqu'il n'est pas là, mais on ne peut pas le mettre en débit, si je peux dire, ouais, sans se concerter avec lui. On s'arrête, on explique le principe d'abord. De manière générale, il n'y a que moi qui peux agir pour moi-même. D'accord? Si je veux même acheter un terrain, acheter une maison, c'est moi que je décide pour moi. Quelqu'un, il ne peut pas décider à ma place, premièrement. Si toutefois, maintenant, il y a... je peux, par contre, nommer un chaliach et lui dire, va agir pour moi et va faire pour moi. Maintenant, si je n'ai pas nommé quelqu'un de chaliach, mais qu'il estime que peut-être que ça m'intéresse et qu'il le prend dans le doute. Imagine une maison en vente, que j'ai quelqu'un, donc j'ai un ami qui va dire, tu sais quoi, écoute, il va aller voir le vendeur, il n'a pas encore le temps de m'avoir au téléphone, parce que moi je suis parti en ce moment, je suis à l'étranger, mais c'est quasiment sûr que quand je vais voir cette maison, je vais la vouloir. Viens, on fait déjà l'acte d'acquisition, on attend qu'il revienne, et après quand il revient, on lui demande s'il est d'accord ou pas. Ça ne marche pas, parce que acheter une maison, c'est pas un zrout, ça peut être un chov. Des fois c'est intéressant, des fois c'est pas intéressant, des fois chacun selon ses moyens, ce qu'il a envie de faire avec son argent, donc c'est pas un zrout. Par contre, recevoir une maison en cadeau, et quelqu'un qui veut donner sa maison, il en a marre de sa maison, et il y a, moi je suis à l'étranger, il y a mon ami qui me dit, hey, mais je sais que lui, il cherchait exactement la même maison, viens, je la donne-la moi. Il va faire un acte d'acquisition pour moi, d'accord, il va faire un acte d'acquisition pour moi, et bien il acquiert la maison pour moi. Ça, c'est un grand chidouche que la Torah et la Tamir Hadeshet, qui s'appelle Zachin Ladam Shalom Befanav. On peut faire une action où je gagne pleinement. On peut faire cette action sans qu'il peut faire cette action sans me concerter. Ça s'appelle Zriya. Il est Zoché pour moi. Et Zoché, ça veut dire recevoir, apprendre quelque chose qui est bien. Donner du mérite, là, c'est plus simple. Zrout, là, c'est plus dans le sens, il m'obtient quelque chose de bénéfique. On peut faire une action bénéfique pour quelqu'un sans se concerter avec lui. On devient automatiquement chaliard pour les actions bénéfiques, mais pas pour les actions qui demandent de concertation. Qui sont des chovotes. Lorsqu'il va y avoir quelque chose, acheter une maison,
C'est à la fois bénéfique et à la fois on peut perdre. Ouais. Selon le prix, selon le truc. Donc dans ce cas-là, sans me concerter, il ne peut pas agir dans le doute. Mais pour toutes les actions qui sont purement 100% bénéfiques, d'ailleurs j'ai trouvé le mot, 100% bénéfiques, alors il peut agir pour moi. Ça, c'est l'axiome de base. Question. Une femme, elle est contente quand on la divorce ou pas? Elle n'est pas contente, hein, d'accord? Même lorsque la femme attend son guette depuis un bout de temps, et concrètement, il faut se concerter avec elle, parce que tant qu'elle n'a pas été divorcée, le mari il a des obligations envers elle, il doit se soucier de la nourrir. Ça fait partie du droit du mari jusqu'à qu'il le divorce, concrètement. Et elle a des droits. Si toutefois, maintenant, elle va tomber malade, elle peut lui envoyer la facture maintenant du docteur chez le mari aussi. Ses engagements, tant qu'il n'a pas divorcé sa femme, il doit lui assurer tout ça. Donc la femme, tant qu'elle est mariée, elle a des avantages à être mariée, même si ça se passe super mal. Ils ont fini déjà depuis longtemps de se lancer des assiettes sur la tête. Ils vivent chacun dans leur coin. Ils peuvent plus supporter, même mutuellement. Mais en tout cas, le mari, elle a encore des droits chez le mari. Pour pouvoir décider d'acquérir son guette sans son consentement, sans qu'elle nous nomme chaliar expressément, on ne peut pas acquérir son guette pour elle. Vous avez compris le principe? Selon ce principe, maintenant, on a le mari qui est en ce moment en Australie. Et il a son ami qui va voyager bientôt en Israël. Il a envie d'apporter le guette à sa femme. Il lui dit, tiens, apporte le guette à ma femme. Il lui donne le guette. Ce chaliar ne peut pas dire, tiens, je vais prendre le guette directement pour ta femme. Parce que s'il n'a pas été chaliar de la femme, il est probablement chaliar du mari, il ne peut pas décider de prendre le guette et de divorcer dès maintenant la femme. Ça ne marche pas. Parce que la femme, pour qu'elle accepte de divorcer, il faut lui demander son consentement. Je peux ensuite, le mari, le chaliar, il peut arriver ensuite devant la femme et lui dire, tiens, je suis chaliar du mari et je te le donne de force. Mais pour que le chaliar devienne, comment dire, tacitement, sans avoir été nommé expressément par la femme en guise de chaliar de réception du guette, il ne peut pas décider lui de jouer ce rôle parce que peut-être que la femme elle n'est pas intéressée à divorcer tout de suite. Peut-être qu'en restant mariée, elle est en train de toucher une caisse d'allocation de je sais pas quoi, donc, peu importe. Ça l'engage. C'est sûr qu'elle a des grands avantages à divorcer le plus vite possible, mais elle a aussi des inconvénients. De ce fait, c'est une situation qui demande son aval. Sans avoir son consentement explicite, sans qu'elle nomme chaliar, on ne peut pas décider de devenir chaliar, donc le chaliar ne peut pas décider de prendre le guet de lui-même. Ça, pour le moment, c'est pour la femme, c'est clair. C'est ce que Rabbi Meir a dit quand il a dit à Omer, Tengenzeleishti, je saute un petit peu, Imrasalarzor Bishne, selon Rabbi Meir, il me dit, lorsque je dis à la femme, je te donne ce guet, je dis au chaliar, donne ce guet à ma femme, lui, il décide de le prendre. Si finalement, je décide finalement de... Je regrette, je dis finalement, j'ai plus envie de divorcer, rends-moi le guet. Il est obligé de me rendre le guet parce que la femme n'a pas encore été divorcée. Il ne peut pas décider de prendre le guet de lui-même. Et sur ça, même Chachamim, ils sont d'accord sur lui, avec Rabbi Meir. Sur quel point il y a une marloquette, c'est sur autre chose. C'est sur le... Lorsque je lui dis, tiens, donne ce shtar à mon esclave. Est-ce que l'esclave, il a un intérêt? Ah, est-ce que c'est 100% bénéfique pour un esclave d'être affranchi ou il a un intérêt à rester chez le maître? C'est la question élémentaire qu'il y a une discussion entre Rabbi Meir et Chachamim. On va un petit peu illustrer qu'est-ce que ça implique. Bon, mon esclave, faut savoir, je suis obligé, je suis pas vraiment obligé de lui donner à manger. Lorsque j'en ai marre de cet esclave, je lui dis, allez, tu sais quoi maintenant? Tu m'intéresses pas, va-toi faire de l'aumône et va te nourrir. Il a aucun avantage. Et de ce côté-là, il n'a presque pas de droit. Il a un seul truc sur lequel c'est peut-être un avantage, et ce que la Gemara va dire, même si ce n'est pas explicite ici, dans notre Mishnah, mais c'est la conclusion de la Gemara, justement, c'est que l'avantage qu'il a l'esclave, c'est qu'il a le droit d'avoir des rapports avec une esclave. Et entre les esclaves, ça se passe de manière très dévergondée. Et l'esclave, c'est possible que ça l'intéresse de rester esclave, comme ça il peut vivre de manière tellement dévergondée. Alors qu'une fois qu'il va devenir un juif, ça implique d'avoir un certain mode de vie propre, des fois oui, des fois non, pas avec n'importe qui, pas d'accord? Ça implique de se marier et Et donc en fait, l'esclave, la Gemara conclut que ça la Bfkeruta n'ira aller. Il kiffe rester dans son mode de vie Fker, il préfère travailler comme un âne 12 heures par jour, avoir aucune pendant, mais au moins, il peut vivre comme un. Il peut aussi vivre comme un cheval. C'est son droit, on ne peut pas lui en vouloir, il est esclave, il est ce qu'il est,
Mais de ce fait, selon Rabbi Meir, à cause de ça précisément, eh ben, lorsque je te dis, tiens, donne ce guet à mon, donne ce shtar à mon esclave, tu peux pas prendre saisir le guet en disant, ça y est, l'esclave il est déjà libéré, je décide de lui faire une zriya, de lui faire cet acte bénéfique, de le libérer parce que ça l'arrange à l'esclave d'être libéré, comme ça va devenir un homme affranchi. Pas du tout. Selon Rabbi Meir, l'esclave préfère rester un esclave, donc c'est pas un acte bénéfique de libérer. C'est sur ce point-là que Rachamim discute, et lui dit non, un esclave, il préfère quand même être un homme libre, avec un brin de plus de kavod qui puisse truc. Et de ce fait, tu peux effectivement décider de libérer l'esclave, contre le gré du maître. C'est-à-dire, le maître, il te donne l'esclave. Moi, qui suis le maître, je te donne le guet à donner à l'esclave, à aller lui transmettre. Toi, tu reçois le guet, tu dis. Je le prends en guise de réception pour l'esclave. Et, selon Chachamim, tu l'as effectivement acquis et l'esclave, il est libéré dès ce moment-là, selon Chachamim. D'accord? C'est le principe d'abord général qui est dit. Et je vous ai même évoqué la raison, la conclusion de la Gemara, parce que pour le moment, la Mishnah, en fait, elle va commencer à nous rapporter des propos qu'ils ont eus entre Rabbi Meir et Chachamim. Et on n'a pas conclu, en fait, cette discussion. C'est sur ça qu'il y a eu maintenant. Alors maintenant, je vais d'abord traduire la première partie de la Mishnah. Après, on va commencer à s'intéresser aux propos qui sont avancés dans la Mishnah. Donc, Aomer ten Genzelich, c'est celui qui dit à son ami, moi, qui va dire à mon ami Reuven, qui est avec moi en Australie, transmets ce guet à ma femme lorsque tu pars en Israël. Ou encore, Ushtar Shechur Zel Avdi, transmets ce shtar d'émancipation à mon esclave. Et donc, l'autre, il le reçoit, et il le reçoit avec intention de l'acquérir pour la femme ou pour l'esclave. Si finalement, moi j'ai dit, tu sais quoi, finalement, le lendemain il est encore là, il dit, non, rendez-moi, je préfère rester marié avec ma femme, je préfère garder mon esclave, parce que peut-être que je vais repartir finalement, eh bien, Yarzor, il pourra faire marier, pourra regretter et récupérer son gâte, parce que l'affranchissement ou le divorce n'a pas encore été actionné, d'ivrer Rabbi Meir, tel est l'avis de Rabbi Meir. Va, ils disent, non, Begit Nashim, pour les guettes de contrat de divorce de la femme, effectivement, tu as raison, Rabbi Meir. Que c'est un chauve pour la femme de divorcer, même si son mari c'est un voyou et qui l'a tellement fait souffrir, malgré tout elle a quand même des droits il faut avoir son aval pour qu'elle soit divorcée. Avallo bechichura avadim, mais pas pour la libération des esclaves, parce que pour la libération des esclaves, n'importe quel esclave il préfère être affranchi. Le fiché Zachin Adam est le principe de toute la Mishnah, c'est parce que Zachin Adam, shalom befanav, ben ravin, ela befanav. Parce que tu peux faire un acte bénéfique pour un homme sans. Shelo Befanav, pas devant lui, sans son consentement, tu décides toi de lui-même d'incarner le rôle du shaliar qui va actionner, même. Et Ve'en Chavin la Befanav, mais par contre, tu ne peux pas lui faire quelque chose qui va peut-être lui porter un certain préjudice, et sans lui demander son avis. Pourquoi? Alors, on commence avec le premier avis. Shimir Tse Shelo la Zonet Avdo. Car, quelle est la différence, selon Chachamim, quelle est la différence entre l'esclave et la femme? Parce que Shimir Tse Shelo la Zonet Avdo, s'il veut ne plus nourrir son esclave et lui dit, vas-y, va te débrouiller tout seul, tu m'intéresses pas, même qu'il crève de faim, eh bien Racha, il a le droit. Par contre, Shelo la Zonet Ishto, mais s'il veut plus nourrir sa femme, et non, Racha, il est obligé, ça veut dire, sa femme, si jamais elle lui dit, non, non, moi je préfère que tu me nourrisses et tu te débrouilles, tu casses-toi la tête, va travailler, eh bien, il est en droit de réclamer ça. Donc dans ce cas-là, tu vas lui faire perdre un droit à la femme en divorçant de force, alors que l'esclave, il ne va pas perdre de droit. À Marlem, il a rétorqué Rabbi Meir, il dit, je suis pas d'accord avec vous. Parce que même pour l'esclave, c'est pas. Parce que, en fait, Rabbi, ils ont dit, donc l'esclave, il a rien à perdre à être divorcé, il a juste le kiff d'être affranchi. Il a rien à perdre, parce qu'il n'a aucun droit à se protéger, parce que même le minimum d'être nourri, d'en recevoir un petit bout de pain, le maître, il peut lui dire, allez, vas-y, dégage. Je ne veux plus te voir, va te débrouiller tout seul pour manger, donc il a le droit de le faire. Donc finalement, c'est pas un droit qu'il peut réclamer. À Marlem, il a rétorqué Rabbi Meir, non! Je ne suis pas d'accord avec nous, tu sais pourquoi? Alors, il nous dit, Rabbi Meir dit, mais non, il y a quand même une différence. Imaginez que c'était un esclave d'un Kohen. Il a quand même l'avantage que lorsqu'il est esclave de Kohen, il a le droit de manger de la Trouma, même si le maître, il veut plus lui donner à manger, il lui dit, va débrouiller tout ça pour chercher à manger. Il peut partir faire l'aumône et recevoir de l'argent, et de recevoir des fruits de Trouma. Vous savez pourquoi? Parce que l'esclave d'un Cohen, il a un statut de Cohen. C'est le bien d'un Cohen, c'est comme une vache de Cohen, il a le droit de manger de la Trouma. Donc, ça, tu vas lui faire perdre son droit. Donc, entre parenthèses, si c'est un esclave de Cohen, il va perdre ce droit.
Et si ce n'est pas un esclave de Cohen, alors c'est pour ça que je dis que la Gemara a besoin d'arriver finalement à une autre conclusion. Amroulo, et sur ça, le Rotor Kirchamim, que même le peu de droits que tu lui dis que si c'est un esclave de Cohen, il peut réclamer, il lui dit, Kirchamim, il lui dit, non, mais Pnei Shukinyano, c'est pas une bonne raison ça, parce que c'est le bien du maître. On n'a pas tellement compris la phrase, la Gemara explique en réalité que c'est vrai que l'esclave du Cohen, il peut manger de la trauma, mais moi, mon esclave, je peux à n'importe quel moment me dire, écoute, je trouve mon copain qui est un Israël, et je lui dis, moi je suis un Cohen, et lui c'est un Israël, et je lui dis, mon esclave, il me prend la tête, j'en ai marre de lui, prends-le pour un shekel. Il me donne un shekel, et ça devient son esclave. Ça devient réellement son esclave, il va devenir Israël. Donc même ce droit-là minimum qu'un esclave de Cohen qui peut se permettre de manger de la trauma, même ça, je peux à n'importe quel moment lui couper... lui fermer les robinets, et que même ça, il ne pourra même pas aller chercher la trauma parce que je veux le vendre pour un shekel à mon esclave. Donc finalement, l'esclave, il n'a aucun droit à réclamer en restant chez moi. Je peux, contre son gré, le libérer. Donc dans ce cas-là, il reste que le côté avantage que je le libère, et n'importe quelle personne peut devenir son zoché, son chaliach, même si elle n'a pas été nommée expressément. À la différence de Rabbi Meir, qui va perdre, comme je vous ai dit, il va perdre le fait de vivre de manière une vie hefker. Ok? Deuxième partie de la Mishnah. Ha'omer tnu get ze le ishti ushtar shichur ze le avdi vamet lo itnu lachar mita. Celui qui prescrit, qui ordonne, il dit, donnez ce get à ma femme, ou ce shtar shichur, cet acte de libération à le avdi, à mon esclave, vamet, et que, une fois qu'il est transmis, dans les deux heures qui suivent, le get n'est pas encore arrivé à bon port, que le mari meurt déjà, eh bien, lo itnu lachar mita, ils ne pourront plus transmettre après sa mort. À la différence du cas où il a dit, tnu mané le ish ploni vamet, il a dit, donner un mané à un tel, et qui a même, il n'a fait aucun acte, il n'a rien, il a juste parlé, eh bien, itnu lachar mita, ils devront quand même le donner après sa mort. De quoi on parle précisément? C'est simple. Il y a matnat shriv mera. Matnat shriv mera, c'est quoi une matnat shriv mera? Shriv mera, c'est un agonisant qui peut distribuer ses biens oralement. Et, d'abord, juste introduction d'abord, un agonisant distribue ses biens oralement. Depuis le moment où il parle, les biens appartiennent à un tel. Donner 20 000 shekels de mon compte au petit cousin et quand il est agonisant, eh bien, dès qu'il meurt, le cousin acquiert les 20 000 shekels. Concrètement, c'est un instant avant la mort, si ça vous intéresse. Et donc, il a donné juste par la parole, même s'il n'y avait aucun acte d'accusation. Donc, dans ce cas-là, bien sûr, la fin de la Mishnah me dit justement que s'il leur donne de l'argent à son petit cousin, ça marche, le petit cousin acquiert l'argent. À la différence du cas où il a dit, il a donné aussi, il était soucieux que par exemple, sa femme, il va mourir, il n'a pas laissé d'enfant. Et puis, sa femme, elle est restée maintenant, lui, il est en Australie, et sa femme, elle est en Israël. Et maintenant, il a un frère qui habite, alors cette fois-ci, il habite en Afrique du Sud. Vous imaginez, la femme maintenant, elle va se retrouver maintenant en train d'attendre qu'il lui fasse la khalitsa ou le hiboum. Jusqu'à que le frère d'Afrique du Sud va revenir maintenant en Israël, où ils vont se rencontrer, ça va être... Donc, qu'est-ce qui fait ce mari très soucieux? Il est en train d'agoniser en Australie, il vite, il écrit un guet, il dit à quelqu'un, vas-y, donne ce guet à ma femme. Eh bien, concrètement, cette personne qui va recevoir le guet ne peut pas être un chaliach de réception pour la femme, il est forcément chaliach pour aller porter le guet à la femme. Et tant que le guet n'est pas arrivé à la femme n'est pas divorcée. Si finalement le mari meurt deux heures après, le guet n'est pas arrivé à bon port, la femme, elle est bloquée, elle devra faire le hiboum nakhalitsa avec son frère qui est en Afrique du Sud. D'accord? C'est le principe simple. Même idée, mais attention, après on expliquera que ça contredit un petit peu ce qu'on a vu dans la Mishnah, dans la première proposition de la Mishnah, mais en tout cas, même idée avec le shtar de l'esclave. Il transmet le contrat de libération à l'esclave. Donnez ce guet à mon... Transmettez ce get shichur à mon esclave, et le get n'arrive pas encore à bon port, la Mishnah me dit, ah, s'il est mort avant que le get arrive, il ne peut plus, maintenant, on ne peut plus donner ce get à la personne. La raison, elle est très simple d'abord, j'ai bien un élément pas juste, que je peux divorcer ma femme tant que je suis vivant, mais si j'envoie un get à ma femme, que la femme ne le réceptionne pas jusqu'à que le mari elle est déjà mort, alors dans ce cas-là, elle n'est plus la femme du mari, puisque le mari est déjà mort, donc le guet ne peut plus marcher. Idem aussi, depuis le moment où le maître meurt, alors l'esclave n'est plus son esclave. Il va être l'esclave de l'héritier. Donc dans ce cas-là, le maître ne peut plus
libérer cet esclave en lui portant. On ne pourra plus donner le guet du maître à l'esclave, puisque depuis le moment où le maître meurt, c'est son héritier. Il y a tout juif, il a forcément un héritier, si ce n'est pas ses enfants, c'est ses frères, c'est ses cousins. Il y aura toujours quelqu'un, d'accord? Et au pire, s'il n'y a aucun héritier, parce que c'est une guerre qui a aucun héritier d'aucun côté, dans ce cas-là, l'esclave, il s'acquiert de toute façon, il devient libre de toute façon, donc la question ne se pose pas. Donc là, on est pour l'instant dans le cas où il y a un héritier, forcément. Donc, depuis le moment où le maître meurt, l'esclave devient la propriété de l'héritier, et le guet ne peut plus être transmis chez l'esclave. C'est là, pour le moment, la Mishnah, elle est relativement simple, et cette dernière partie, elle est claire, sauf qu'il y a une certaine contradiction. Parce que si vous faites attention, j'ai dit, transmettez ce guet à mon esclave. On a vu dans la première partie de la Mishnah, que selon Chachamim, il peut décider d'être zoché du guet, il peut faire une zriya, de faire bénéficier le shtar pour le maître, pour l'esclave. Donc finalement, quand j'ai dit « Nougetze » à mon esclave, il aurait dû, au moment où il reçoit le guet, il peut acquérir le guet pour l'esclave directement. Pour la femme, ça ne marche pas, parce que c'est un chauve. Mais pour l'esclave, ça marche, parce que c'est un sroud d'après Ramim. Et la Gemara explique en réalité, non, que ça ne marche pas même d'après Ramim cette fois-ci. Si vous faites attention, il y a un petit mot qui a changé. Au début de la Mishnah, c'était « Tengetze leishti ». Ici, il y a écrit « Tnougetze leishti ». La différence, c'est que lorsque je dis « Tiens, donne » Ten Gedzel Ishti, ou Ten Gedzel Avdi, mon intention elle est, vas-y, acquiers-le, je te donne le feu vert pour acquérir le guet depuis tout de suite. Alors que quand je dis Tnou, donnez-le, transmettez-le, alors ça laisse sous-entendre qu'en réalité, je te nomme pas, je donne de manière générale, apportez vite le guet à mon esclave. J'ai pas donné mon aval pour qu'on acquiert le guet depuis tout de suite. Et dans la mesure, maintenant, c'est moi, donc finalement, ça veut dire que ma phrase que j'ai fait, c'est juste d'insister que. Je veux que l'esclave va être libéré lorsque le guet va arriver chez lui. C'est ça l'explication de ma phrase. Quand je te dis « donne », alors là, la Gemara va expliquer que « ten kizri ».« Ten kizri » mais pas « tnu kizru ».« Ten kizri », ça veut dire « donne », ça signifie « tiens, acquiert aussi ». Ça laisse, en théorie, « ten », littéralement, « va donner », ça signifie « tu vas, tu marches et tu lui donnes dans les mains ». Mais la Gemara explique que non, avec un petit peu plus de... On peut élargir que, et comprendre que ce qu'il a voulu dire, c'est en réalité « ten kizri » aussi. Tiens, acquiert le guet à ma femme. Mais là, c'est lorsque je dis le mot « ten », mais lorsque je parle de manière très générale « tnou », alors je ne donne plus mon aval pour qu'on acquiert le guet depuis tout de suite pour elle ou pour lui. Et dans ce cas-là, je laisse sous-entendre que tant qu'il n'arrive pas à bon port, je ne veux pas qu'il soit divorcé pour le moment, qu'il soit divorcé ou libéré. Et dans ce cas-là, s'il meurt, on ne pourra plus le donner une fois qu'il sera mort, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv, Selah.